désir mesurer la longueur de ce segment. Je choisis unité, je choisis centimètre. Donc il ne me reste plus qu'à mesurer la longueur en reportant l'unité en question. 1, 2, voilà. J'obtiens alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 unités, 12 centimètres. Que nous écrivons 12 de cette façon. Et je le signale par ce 1, c'est le chiffre des paquets 10, le chiffre des dizaines. Et il reste 2 unités ici. 12. Ici j'ai 23, j'ai 2 paquets 10, 2 dizaines et 3 unités. Paquets de 100, 2 paquets de 10, 2 dizaines.